Et bonjour à tous et bienvenue sur du feed de Patrick en compagnie d'EP, coucou tout le monde. Bon, bonne nouvelle, pour une fois c'est vraiment une très très grande nouvelle, je vais m'amuser. Vous avez vu sur Twitter sans doute que j'ai réussi à faire des croisements d'abeilles parce que sur NEI par exemple, ça c'est du lapis, c'est pour faire peut-être la résiliente, non, la robuste, non, la tolérante, ou une abeille comme ça, je ne sais plus laquelle, bon, peut-être celle du coffre, tiens, je crois que c'est celle-là. Oui, voilà. NEI, grâce à Uver, j'ai pu savoir ce que c'est. Grâce à NEI, en fait, quand vous avez un symbole rouge comme ça, qui a une obligation pour que l'abeille puisse être opérationnelle, que la fécondité entre les deux puisse réussir, en fait, il faut passer sa souris dessus et regarder ce qu'il veut. Restricted to desert-like environment. En clair, elle doit être que dans le nether, obligatoire. On peut, je pense qu'on peut la faire via l'alvéari, sauf que j'ai essayé, c'est même pas je pense, c'est même sûr, je l'ai fait via l'alvéari, et même en ayant les alvéari heaters pour les mettre à fond pour avoir une très grande température, faudrait limite que je puisse, ici justement, ici, mettre l'humidité à zéro. Je ne sais pas encore comment faire, donc je le fais pas. Voilà. Bon, en clair, c'est ça. Bon, en fait, maintenant, j'ai réussi à avoir beaucoup d'abeilles. Notamment, j'ai réussi à avoir des tolérantes, que j'ai fait avec une roquille pour me créer des robustes. Ces robustes-là, j'ai pu la coupler avec une impériale, j'ai pu obtenir des résilientes, et là, je viens de le faire aujourd'hui, là, actuellement. Je viens d'avoir celle en lapis. Alors, mais pourquoi je vais faire celle en lapis? Déjà, là, j'ai un drone 100% sûr, mais c'est pour récupérer le gène, principalement. Fast, fast, défaut, défaut, fast, nocturne, défaut, resilient. En fait, j'en ai un peu rien à foutre de ces gènes-là. Du coup, je les remets là-dedans. Hop, c'est en train de se faire. Il me faut le gène lapis. Dès que j'ai ce gène-là, gène lapis, je suis con. Faut juste que j'arrive à la voir en fait. Et si je l'ai pas, je la fais tourner en boucle. Je suis en train de la refaire tourner en boucle dans le VRI qu'on a vu. C'était une commande déjà. Oui, une résiliente avec une water. Pour ça j'en ai gardé deux ici. Un petit peu le gène résiliente, donc du coup je pense avoir le gène le gène du lapis prochainement. Et en plus, je lui ai donné pollinérisation, ça veut dire que quand elle meurt, elle donne 4 drones de plus. 3 drones de plus, donc c'est pour ça. Donc là, c'est en train de faire justement, ça isole un gène en question de ce drone. Ce drone-là se fera plus tard, donc si j'ai le gène lapis, je suis à quasiment 100% sûr de pouvoir faire, voilà, les fameuses abeilles que je voulais depuis un petit certain temps, les émeraudes et les diabones. Alors, dès que j'ai le gène, voilà, je l'ai pas, ça je m'en doutais un peu d'ailleurs, faudrait que j'arrive à avoir l'autre gène lapis. Mais bon, alors, je crois pas que je vais l'avoir, du coup, le gène lapis, là, actuellement. Donc celle-là, je vais la laisser travailler. Elle descend plutôt vite d'ailleurs. Genre, mais tu viens d'où toi? Genre. Ah, ok. Je sais d'où est-ce qu'elle vient. Lui, il faudrait qu'il modifie sa tour à mob. Ok. Ok, bonjour. Ok. Bon, je vais lui biper un petit coup parce que c'est pas normal qu'il ait son truc là. Il faudrait qu'il mette de la brique incassable de Industrial Craft. Qui explose, quand elle explose, en fait, elle se casse pas. Bon,
Alors, maintenant, moi de mon côté, je vais regarder. Je sais pas ce qu'on fait aujourd'hui, je crois qu'on se fait un peu des noces, mais c'est un peu chiant, les connards comme ça. C'est très chiant. Ouais, bah oui, c'est en train de légèrement bugger en fait. Ça m'énerve. Ça m'énerve beaucoup. Ce matin, 4h du mat, ça laguait absolument pas. Et puis là, ça lague parce qu'ils ont envie de nous faire chier. Voilà, hein. Donc, du coup, bah, je suis en train d'isoler la dernière que j'ai. Hein. Je vais voir si elle fonctionne. Ça m'arrangerait qu'elle fonctionne d'ailleurs. Comme ça, je peux faire ceux de la suite. Donc ça veut dire, en plus elle produit du lapis-combe, et ce lapis-combe, quand j'ai des combes, ça me produit 6 lapis à chaque fois. Donc c'est bien. Du coup, dès que j'ai le gène du lapis, j'en fous une avec noble. Du coup, ça me donnera des émeraudes, il faut que j'en foute deux pour en avoir plus. Pour être sûr d'en avoir. Ici également, des impérial drones, donc des drones impériales, j'en ai déjà en masse. Et ça m'obtiendra des diamants. Qu'une fois que ça c'est fait, c'est 1% de diamants de combe, mais ça me fait des shards. Et si j'arrive à avoir tout ce qu'il faut, en plus c'est des industries où, bah du coup, bah, je suis un peu riche en diamants. Voilà. Puis je peux faire pas mal de choses. Du coup, est-ce qu'il m'a donné le gène en question? Non. M'a toujours pas donné ce putain de gène. Bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis. J'espère qu'il va me le donner après. Donc, je ne sais pas. De mon côté, oui, j'ai amélioré un petit peu. Alors ici, j'ai descendu d'un étage. Hein, donc j'ai mis encore plus de disquettes. Ça me bouffe actuellement 45 MJ par tick. Tout ça, c'est relié. Donc ça, c'est de la glace que je fais. Hein, donc quand j'en ai besoin, je l'active. Baie de brassage aussi. CPU centrale. Et derrière ce mur, quand on appuie sur le petit bouton. Voilà, c'est des drawbridges, hein, c'est pour ça. Ça va directement à la salle de fluide, donc je peux y accéder partout, hein, il faut juste que je mette un fluide là-haut. Je peux re-accéder à mon terminal parce que tout est en sous-réseau directement. Ici c'est les Iron Golems qui pop, et ici c'est les Witch pour avoir de la glowstone en illimité. Voilà. Ici, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire en fait. Ici, il y a peut-être un autre truc, mais je ne sais pas encore quoi. Donc, je verrai. Hein. Puis les turtles, ça va changer. Là, ça sera plus des turtles, ça sera des comment? Des grinders. Je vais en mettre un ou deux, et puis après, je pourrais mettre des trucs à creeper, ce genre de choses. Donc, tranquille. Et l'enchant plus, hein, qui me permet justement avec des XP pouvoir réparer mes pioches, mes haches, un peu tout en fait. Voilà. Avec un seul niveau, ça me répare tout. Et voilà, ça normalement on l'a pas, hein, ou sinon on l'a en plusieurs livres. Voilà, j'ai juste à la foutre là-dessus et je peux augmenter complètement ce que je veux. Flame 4, Fire Aspect, je peux vampirisme, quand vous butez des comment? Vous butez des mobs. Vous récoltez ses cœurs et du coup vampirisme. Enchante. Voilà, à chaque fois, bah du coup ça vient dans votre barre. Vous butez quelqu'un, vous butez même un monstre, c'est la vie qu'il a qui vient vers vous en fait. Voilà. Donc moi je referme ça, c'est très simple. Hop, ça fait une petite salle tranquille et derrière t'as une grande salle tranquille, super pépère. Du coup, est-ce qu'elle m'a donné le gène en question? Non, 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 et non. Mais par contre, elle a beaucoup de gène. Hein. Je viens de remarquer qu'elle vient de faire tout ça à elle. Alors, je crois qu'il y a une dizaine de gènes dedans. C'est plutôt bah, pas mal. Est-ce qu'elle va m'en donner encore? Ça serait peut-être bien, en fait, hein. Si elle me donne ce que je veux, et non, elle me donne pas ce que je veux. Donc du coup, voilà. De mon côté, je vais continuer l'alvéari. J'ai avancé mon bâtiment. Quelques frises, c'est normal, ça vient de chez Tagazak. Hein. Il a encore des carpenters, lui. Donc, voilà, j'ai augmenté ma maison. Voilà. En fait, je vais l'augmenter encore plus haut. Ça, je vais le foutre encore plus haut et je vais faire un truc invisible complètement.
Voilà, et puis, YOLO, hein. Ici, j'ai quoi? Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Ah oui, ça, c'est pour une mutation. J'ai encore des water, donc c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas si, par contre, c'est des water resilient. Est-ce que j'en ai 4? Non. Lui, oui. C'est des soul, je voudrais pas lui mettre des soul. Je vais la foutre ici. Comme ça, avec ce genre de frame là, justement, ça va me donner un peu plus de drone. De reste, donc du coup, je vais en avoir un petit peu en masse. Ici, c'est que de la redstone, hein. Toute la partie des rouges là, des combes rouges, c'est de la redstone. Donc sur ce point, il n'y a aucun souci, je pense que je vais en avoir beaucoup. Et du fait que j'ai réussi à l'avoir stable, du coup, ça me gêne absolument pas de... Oui, voilà. Ça va me créer de la redstone en fait. Une fois que c'est fait, bah ça me crée. Ah non, ça me. Ah si, ça me crée de la redstone. Oui. Voilà. Un redstone par combat. Un ou deux, ça, je ne sais plus. Ah là, bon bah du coup, on en a combien, tiens, parlons de ça. Ah déjà 11 minutes, ouais, c'est génial. Hop. On va voir un petit coup dehors. Ah bah voilà. Resilient, Lapis Water. Water, est-ce que c'est la vraie? Water lapis water. Ok. Resilient. C'est cool. Resilient. Donc du coup, je mets la vraie resilient avec la water. Et je la laisse farmer. Pourquoi il est rouge? What? Pourquoi il est rouge le pépère? Je sais pas du tout. Bon, c'est pas grave. Du coup, bah, j'ai encore des combis ici. Celle-là, elle est stable. Celle-ci, elle est stable aussi. Voilà. Bah, celle-là, je vais la scanner pour avoir un petit peu son gène. J'aurais dû mettre celle-là parce qu'elle a le gène du lapis. Donc, est-ce qu'elle va m'en donner un peu plus? Du coup, je vais prendre cela. Peut-être que le drone en question va me donner le gène lapis. Si j'ai le gène lapis, je commence directement les abeilles au-dessus en fait. Hein. Si j'ai ce qu'il faut, je commence cela en fait. Voilà. Et j'ai 5%. Mais avec des soul frames dans une apiary de base, j'ai directement les abeilles supérieures. Donc du coup, on va attendre qu'elle fasse. Là, c'est bien, c'est des résiliennes de base en fait. Hein. C'est les vrais des vrais. Et puis il y en a 4 à chaque fois, donc du coup, j'ai 4 fois plus de chances de l'avoir. Lapis, ouais putain, je l'ai! Je l'ai! Alléluia! Oh! Oh, je vais trop te kiffer! Hop, et puis je la fous là-dedans. Hop! Lapis! Lapis! J'ai le gène du lapis! J'ai le gène du lapis! Yeah! Bon, bah, du coup, toi, je te fous là-dedans. Resilient et Resilient. Hop, je les fous tout dedans, comme ça fait tout le liquide, ça va directement dans le réseau. Celle-là, bah, je vais les laisser tourner, tiens, je vais les laisser retourner, histoire que j'ai un peu de lapis derrière moi. Si j'en ai, tant mieux, si j'en ai pas, tant pis, mais je m'en fous, j'ai mon gène. Alors, par contre, il y a une chose que je veux faire, absolument, bon, pas maintenant, c'est que tous ces gènes-là, je veux, bien sûr avec cela, les copier en double, les foutre dans une disquette et les foutre dans un coffre. Parce que si je perds ça, j'aurais perdu, en fait, depuis le début de FTP, tous les gènes. J'ai pas un collecteur d'ADN correct. Bon, bien sûr, j'ai mes gènes là-bas qui sont stockés dans une disquette, mais le liquide. Le liquide d'ADN, en fait. Voilà. Du coup. Alors, ça, c'est en train de se remplir. Du coup, on va préparer. Je pense qu'on va faire celle en diamant. Voilà, directement, parce que YOLO, hein. Diamond. Pouf. Il se passe comme ça, j'en ai un peu moins. Bon, je vais mettre Q avec. Ah non, tu veux pas? Tu veux pas? Voilà, la Diamond Princess, en fait, elle veut. Voilà. En clair, il me faut une Lapis Princess. Il me faut une impériale que je fous dans la frame. Alors, moi de préférence, pour éviter toutes sortes de problèmes éventuels, hein,
Déjà, je fous ça ici. Déjà, et d'une. Deux, je fous ça en off. Comme ça, ça va aller directement en dessous. Ici, je vais mettre le gène lapis. Parce que c'est des queens de lapis. Et par-dessus, je vais lui mettre maximum et fast. Par la même occasion. Et normalement, c'est bon en fait. J'ai juste. Alors qu'est-ce que je fous en premier? Fast? Ouais, je le foutre directement fast. Comme ça, quand une fois que le gène de lapis sera mis dans la Rocky Princess, donc elle deviendra une lapis queen, princess plutôt, ça va être aspiré directement par l'Itentuck qui va directement dans l'autre inoculator et elle se fera travailler pour qu'elle bosse très rapidement. Et ensuite, une fois qu'elles sont faites, je la fais maximiser. C'est petit parce que quand elle meurt, bah voilà, elle en donne 4 au lieu d'en donner qu'une seule. Du coup, c'est quoi qu'il nous faut pour la... C'est une impériale, ok. Eh ben on va aller dans notre champ. Hop. Allô, oui. Ah putain, des doses de merde en cours, putain, c'est chiant. Ils ont que ça à foutre, quoi. Du coup, c'était laquelle que je disais, c'était les impériales. Eh ben, vous voyez, les impériales, j'en ai beaucoup, les industriaux, j'en ai 17 000. Je vais en prendre deux, voilà. Que je vais foutre. Que je vais foutre ici. Alors ici, ici, ici. Non, pas cela. Je vais déjà les scanner, pour être sûr. Ils en donnent 4 et ils sont déjà rapides. En fait, j'ai rien à faire autre. À faire. Voilà. En fait, elles sont déjà prêtes pour se faire accoupler pour la rendre en diamant. Alors, bien sûr. Hey, YOLO. Je crois qu'il va tourner un épisode. Ouais, j'ai quoi ça? Ah oui, c'est des water. Un peu rien à foutre. La Rocky, je la vire. Je fous l'impérial ici. Je fous l'autre impérial ici. Alors j'ai déjà des soules qui sont prêtes et ici ouais c'est bon, je vais peut-être en commander une autre. Une frame, un soul. Voilà. Comme ça, je vais en récupérer deux. Même trois. Je vais refoutre une autre frame. Celle-là. Voilà. Alors j'ai été récolter de la soul, hein, la soul. De la soul. Voilà, Soul Sand, voilà, et je trouvais plus le nom. Et du coup, bah voilà, je peux faire des Soul Frames rapidement. Hop, voilà. C'est toujours une anvil en fait, donc ça me dérange absolument pas d'utiliser quelques niveaux pour ça. Et je la mets là. Donc une fois que mes lapis sont prêtes, sont faits en abeilles de lapis. Je reviens vers vous, histoire que je vous montre justement ce que ça va donner. Alors, hop, c'est où, c'est où, c'est où? C'est ici, voilà. Donc j'attends et puis je vous dis à tout à l'heure. Bon, bah moi je reprends mon petit record ici en fait. Il y a le pire qui est en train de tourner en même temps. De mon côté, je viens de remarquer que je peux, à partir d'une Resilient Princess, je peux à partir d'une noble également, donc je suis en train de chercher le gène noble, c'est que quand je vais la faire avec Maxi, et puis elle travaille vite déjà de base, je crois. Oui, elle travaille vite en plus. Je vais pouvoir justement créer une abeille qui peut être intéressante justement. Alors c'est pas celle-là je les ferai plus tard. Je crois que celle-là déjà elle permet de faire wow, du nucléaire. Wow, je vais pouvoir faire de la radioactivité. Uranium. Ah ouais, uranium combe. Oh mais c'est cool. C'est cool. Pourtant c'est le même data en fait. Je vais plus tard faire celle de la glowstone. En fait, dès qu'on a une résiliente, en fait, on peut quasiment tout faire maintenant. Hein, donc c'est sauf celle que je veux pour le quartz. Il faut une monastique et je ne sais pas du tout où est-ce qu'il y en a. Donc si vous savez déjà vous de votre côté où est-ce qu'il pourrait y en avoir de trouver des monastiques, mais je pense que je vais devoir m'amuser avec quelques villageois pour en avoir facilement.
Du coup, pour l'instant, c'est pas mon premier mon bonus quoi. Mon truc, vous m'avez compris. Donc ça, je le ferai plus tard pour avoir de la glowstone, pouvoir être sympa. Je vais faire celle-ci. La résilience plus la noble me crée de la l'imprégnable. Cette abeille-là me crée du titanium. Le titanium déjà de base, c'est très très chiant à avoir. Parce que il faut la faire via la bauxite, je crois. Ouais, c'est ça. Ah, voilà. En fait, j'en crée 4. Elle me donne une poudre de titanium. Et je n'ai pas besoin de l'industrial electrolyzer. Parce que j'ai une titanium. Et les titanium, après, je crois que je peux la foutre dans un. Oh, je peux la foutre là-dedans. Titanium lingot. Ah ouais, bah oui, ça évite de passer par un blast furnace, je le fous dans Tinker et puis ça me crée ce genre de choses. Donc c'est plutôt pas mal. De mon côté, donc du coup ça me fait de l'utilité. De mon côté, j'ai pu faire le gène, je l'ai purifié pour qu'elle soit correcte. Je l'ai foutu là-dedans, donc elle est en train de créer la deuxième abeille. Donc la première est en train de se faire modifier pour qu'elle soit rapide. Et après je la fous dans son max, maximizer. Qui me permet justement par la suite de pouvoir créer facilement les abeilles que je veux. Alors hop, je vais descendre par la directe. Birch. Ah oui, c'est juste au-dessus en fait le. Voilà. C'est juste au-dessus. D'ailleurs, je pense que je vais mettre des dalles. Autre chose que ça. Parce que c'est swag en fait. Je vais foutre des dalles ici, tiens. Ça pourrait être pas mal. Hop. En plus, il y en a 9 tout pile. Il y a une table de craft dans le coin. Oui, bah oui. Hop, 1, 2, 3. Bon, bien sûr, ça t'en fait plus parce qu'il y a Applied qui est derrière. Hop. À foutre ici aussi. Voilà. Comme ça, je peux le récupérer ici et ça a un ME cable, tu me fais chier. Est-ce que j'ai un réseau, j'ai un câble d'énergie qui passe ici? Je crois pas. Hein. Non, j'ai pas de câble d'énergie qui passe. Ouais, fuck, fuck, fuck. Du coup, bah, je termine ça et puis on se retrouve juste après. J'attends juste que ça se fasse. Hey, re tout le monde. Donc là, je suis en train de terminer ma lap. Space Princess, donc celle-là parce que j'en ai déjà une. J'ai fait celle qui était en noble parce que je voulais une noble obligatoirement. Du coup, je la fais en maximum aussi pour qu'elle donne plus de bébés, hein, évidemment. Je vais déjà mettre la première en route directement. Il fait beau, oui. De toute façon, je m'en fous, elle travaille de nuit. Normalement, elle travaille de nuit. Oui, les lapis aussi, donc c'est génial. Du coup, pouf! Lapis directement avec des soul frames. Les soul frames permettent justement d'avoir 80% de chance de l'avoir. Donc ça fait 80, 160, 240. 240%, c'est au-dessus du 100%, donc il n'y a aucun problème pour ça. Faudrait que je foute une autre apiary. Est-ce que j'ai une autre apiary dans le coin? Oui, j'en ai une. Pouf, je la fous là. Frame, je vais commander 3 autres. Voilà. 1, 2, 3. Voilà, pouf. Je fous directement ça là-dedans. La princesse là. Je vais foutre la deuxième lapis ici. La première drone en noble. Et puis on va attendre. Et l'avantage c'est que voilà, ça pollinise. Donc soit parce qu'il y a des fleurs, mais ça m'étonnerait vu que c'est de la pierre. Donc il y a de la pierre ici, il y a de la pierre dans un rayon de 5 par 5. C'est le rayon minimum d'une Rocky Princess hein, de base. Donc, sur ce point, il n'y a aucun souci. Voilà. Et puis j'en ai encore récolté et j'ai des hives de un peu tout le monde hein, qui me permettent justement de pouvoir encore avoir des ruches supplémentaires.
Du coup, moi je termine encore tout ça et puis on se retrouve juste après. Et vive les ellipses, hein, moi je vous le dis. Bon, bah voilà. Alors, moi j'aime bien, c'est les petites particules des lapis queen qui sont en train de se faire. Ici, bah j'ai fait celle de la noble. Ici, pareil avec mes, pas pareil, non. Le lapis est pour obtenir ceci, donc des impériales, donc je suis en train de le faire. Et ici, voilà, j'ai réussi à avoir ma diamond drone avec du lapis, hein, évidemment, en plus. Je vais scanner tout de suite celle-ci. Donc c'est en impérial. Ici c'est de l'impérial aussi. Ici c'est de l'impérial évidemment. Et celle-là c'est la diamond. La diamond. Bon, alors je fais quoi? Est-ce que je garde ou est-ce que je la fais j'essaie de l'isoler pour avoir le gène directement parce que je suis un gros putain de connard. Donc du coup, je veux scanner pour récupérer ce petit jeune. Ce petit jeune de la mûre. Alors, je pense que je vais la scanner directement. Bon, moi, je suis sûr que, voilà, ça fonctionne bien. Elle travaille en plus, donc c'est super bien. Cependant, est-ce que je pourrais pas, en fait, la refoutre avec une lapis et donner... Non, je vais la scanner. Oh, fuck this shit. Si je l'ai en une seule fois, tant... Bah... Alors, c'est pas le bon. C'est un petit peu les aléas du direct. Des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. Donc, voilà. Du coup, ici, c'est quoi? C'est du lapis impérial, lapis impérial, lapis impérial. Et puis celle-là est stable, donc l'autre elle est pas stable du tout. Déjà, ça est une. Deux, je vais en prendre une seule en fait, donc pouf. Puis c'est du lapis impérial, je m'en fous, c'est la queen que je veux. Donc j'ai juste à rajouter une impériale après. Oui, c'est ça. Je pense que je vais attendre que les autres se terminent en fait. Et puis Sloan's Life Spawn, donc ça marche pas. Donc la queen est morte, hein, évidemment. Mais j'en ai fait une deuxième. Est-ce que la deuxième va me donner un peu plus de diamants? Peut-être, je ne sais pas. Pour ça, on va voir. Hein. Façon, on est là pour tester. Ah d'accord, oui, ok, c'est d'autres, ok. Je vais me dire merde déjà. Elle, bah lui reste ah une diamond. J'aurais dû garder en fait le truc. C'est une diamond que j'ai eue du coup. Alors celle-là c'est une diamond. C'est plutôt très bien. Elle n'en donne que une. Celle-là c'est des impériales. Celle-là c'est des impériales. Les deux là je vais les foutre à la poubelle. Celle-là je vais la garder quand même pour en refaire une au cas où. Celle-ci en donne qu'une, donc les deux là, je vais les foutre en max. Je vais les repasser de mon côté hors caméra parce que ça va être la fin de notre épisode. De notre épisode sur FTP. Je vais la refoutre là-dedans dans la librairie, comme ça elle aura toutes les conditions extrêmes pour pouvoir s'amuser librement et échanger avec un peu tout le monde. Parce que j'ai pris Diamond hein, ici, c'est pour ça. Je vais lui foutre max dessus. Fast pourquoi pas, mais je crois qu'elle y est déjà de base. Ah non, elle y est pas de base en fait. Ok. Bon bah je vais les foutre en fast. Je vais la foutre en rapide. Je vais faire ça comme ça tranquillement en off. Du coup, les deux là, je peux les foutre à la poubelle. La Rocky. La Rocky, bah je la fous là. 481. 3. Ouais, enfin bref, c'est kiff-kiff. Hein, c'est quoi ça? C'est 391. Ouais. Hop. La foutre ici. Ça, j'ai tranquille. Du coup, bah c'est en train de se faire tranquillement. Hein, tiens, je vais en refoutre un comme ça. Un stack directement. Je vais enlever les marquis, je vais mettre les rookies. Voilà, bon, en plus ça va directement donc j'ai rien à faire. De mon côté, je vais refoutre une impériale. Comme ça, je pense que je vais la laisser en un seul bloc. Histoire que ça aille plus vite. Donc c'est une impériale. L'impériale est de base. Comment? Allô? Voilà. Ah merde, j'ai plus donné. Ah, fuck. Est-ce que j'en ai encore? Oui, j'en ai encore là. Toc, toc, voilà. Elle est déjà x4, elle est en rapidité.
plus j'ai rien à foutre. Ah oui, en plus elle est stable, c'est vrai. Celle-ci était stable. Donc du coup, je la refais tourner. Je vais voir ce qu'elle donne. Ici, elle m'a donné rien du tout. J'étais pourtant sûr. Bon, en même temps, c'est 3%. Hein. Donc une noble, 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 noble et noble. Ok. Pourtant, c'était des souls. Bon, bah, c'est des résilients nobles. Bon. Travaille vite. Elle est lente. Elle travaille vite. Elle travaille vite aussi. Elle est lente. Ah, fait chier. C'est la queen qui est lente. Du coup, bah. Bon, je vais les jeter en fait. J'en ai un peu rien à foutre là. Ça me crée toujours de l'or et stone, c'est pratique. Et ça me fait un surplus ensuite pour l'ADN. Donc, c'est plutôt sympa. Ici, j'ai quoi? J'ai une résiliente, une lapis, la water. Resilient water, lapis water, resilient. Donc celle-là, elle est stable. La water resilient, la resilient noble, noble, noble. Et la water. Ça, c'est une water pure. Ça, c'est une water resilient. Ça, c'est une resilient normale. Et ici, une lapis. Ouais. Ouais, bah je vais foutre sa poubelle. Ça, je vais poubelle aussi, hein, en tant qu'affaire. Poubelle aussi. Voilà. Resilient water. Je vais foutre poubelle, poubelle, poubelle. En fait, je vais tous les foutre poubelle, en fait. Hein. J'avais pas autre chose avec le lapis. Non, bah non, c'est des coins qu'il faut, donc ouais, bah, poubelle du coup. Et puis bah sur ce, nous on va se laisser là. Hein, je vais foutre ça là-dedans. Pouf. De mon côté, donc lapis, water, water, resilient, resilient. Tout ça, je vais foutre là-dedans. Voilà, tout se fait. Moi de mon côté, je fais tout ça en. Oh voilà, bah, ça a déjà rapide. Oh là! Ah oui, fast. Ah bah oui, elle est déjà fast. Celle-là est déjà fast en fait. Elle est fast, elle est x4. Ok, c'est cool. Donc c'est celle-là qui est en train de se faire. Normalement, c'est la dernière. Donc ça reste 1 minute. Tout à fait ça. Et puis moi, de mon côté, je vais vous laisser. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!